Oui, Adrien Thomasson qui nous fait l'amitié d'être avec nous quelques minutes avant ce match. Adrien, merci. Vous allez affronter une équipe de Lille qui excelle sur les transitions offensives. Quelles vont être les consignes de jeu ce soir de Strasbourg pour bien tenter de l'emporter? Déjà, on a mis tous les ingrédients de notre côté. On a essayé de préparer du mieux possible ce match. On connaît les forces de cette équipe lilloise qui n'est pas deuxième du championnat pour rien. Donc on va être très vigilant, surtout voilà, comme vous avez dit, sur les contre-attaques, sur nos pertes de balles. Donc à nous de faire un gros match, parce qu'il va falloir faire un gros match ce soir. On a beaucoup parlé en plateau il y a quelques minutes de Nicolas Pépé, qu'on promet dans les plus grands clubs. Quelle est votre impression sur ce joueur qui va très vite, mais pas que, qui est aussi très bon dans le jeu collectivement, tactiquement? Non, c'est vraiment un joueur complet. Cette année, il fait une saison sensationnelle. Je dirais qu'il est sur la continuité de la deuxième partie de saison dernière, où il avait déjà été très décisif dans le maintien, pour le maintien de Lille. Donc c'est un joueur, bien sûr, ça va être à nous de bien le prendre, même si voilà, des fois, même quand on prend bien ce type de joueur, ils arrivent toujours à avoir une occasion dans le match et à la mettre au fond. Donc il va falloir qu'on soit vraiment concentré les 90 minutes pour lui laisser le peu d'espace. Une dernière question, rassurez-nous, la finale de Coupe de la Ligue n'est pas encore trop présente dans vos têtes. On sait que les résultats en ce moment du Racing sont pas extraordinaires, c'est pas ça qui vous oblige à penser un petit peu trop à la finale? Non, honnêtement, on est concentré sur le championnat, parce que voilà, on sait qu'on a justement une belle fin de saison, donc la confiance va s'acquérir avec les victoires, et la Coupe de la Ligue, elle viendra dans un second temps. Là, c'est vraiment la priorité au championnat. Il me semble qu'on a encore 3 matchs avant la finale, donc à nous de bien gérer ces 3 matchs pour arriver avec le plein de confiance pour la finale. Merci Adrien, match à guichet fermé. Ce soir, c'est Thomas Vauclair, le cycliste, qui va donner le coup d'envoi fictif.